Merci à vous qui nous rejoignez en France sur le circuit Paul Ricard pour une séance d'essai libre passionnante. Espérons que le reste du week-end se déroulera de la même façon. De toute évidence, on observe une certaine agitation dans les stands avant le début de la séance. Nicolas Martin, je vous remercie une nouvelle fois d'être à mes côtés. D'après vous, quels seront les points à surveiller une fois que les monoplaces auront pris la piste ? Comme d'habitude, durant les essais libres, on ne connaît jamais avec certitude la stratégie mise en œuvre par les écuries et la quantité de carburant embarqué, entre autres. Il faut se garder de tirer des conclusions hâtives lorsque les meilleurs temps s'affichent sur l'écran de contrôle. Mais on peut toutefois observer le rythme de course moyen après plusieurs tours de piste. Si après avoir parcouru en distance la moitié d'un Grand Prix, un pilote devance systématiquement un autre pilote d'une demi-seconde, dans les mêmes conditions, il y a toutes les chances que son rythme de course soit adapté. Allez, on sort du dernier droit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce Grand Prix de France, ici sur le circuit Paul Ricard au Castellet. Et on débute tout de suite notre week-end, comme à l'habitude, avec le tour de reconnaissance. On passe les S de la Verrie. Alors tout de suite, je vous mets dans le bain. On a une voiture qui avait beaucoup souffert lors des dernières courses, avec peut-être un bloc moteur bien usé. Et ici, on a désormais, pour la première fois, un nouveau moteur thermique. On a donc une voiture qui est entièrement neuve. On n'a pas d'éléments usés au niveau de la gestion de la voiture. Vous le voyez, hein, les éléments sont parfaitement neufs avec un moteur qui a 0% d'usure. Autre chose également au niveau des nouveautés instaurées sur cette voiture. Eh bien, on a raté le dernier programme de développement. Donc on n'a pas de nouvel aileron arrière, on n'a pas de mise à jour moteur. Il faudra attendre l'Autriche pour toutes ces améliorations. Et donc on a une voiture qui devrait quand même bien se comporter. On a soulagé ici dans le grand droit de la courbe de Signes. Le double droit du Bossé qui n'est pas très simple à prendre avec ce manque de repères, hein, on le sait. Ça c'est dû au dessin du circuit. Je ne suis pas assez rapide mais en même temps c'est pas facile. On réaccélère dans le dernier secteur. Et enfin, le droit du pont, le dernier virage de ce circuit Paul Ricard. Et on réaccélère le DRS. Et on conclut donc un tour de cette piste mythique. On va tout de suite entamer la qualif. Bienvenue pour les qualifications de ce Grand Prix de France. Les écuries apportent les tout derniers réglages à leur monoplace avant que ne soit donné le signal de départ et que ne débute la lutte pour la pole position. Et c'est Nicolas Martin qui me rejoint en cabine de commentaires aujourd'hui. C'est vraiment le moment où la pression monte, Nicolas. Toutes ces données récoltées pendant les essais ont servi à préparer les stratégies du jour. Évidemment, il est d'une importance capitale que les équipes respectent leur plan de course. Peut-on dire qu'il ne reste plus au pilote qu'à exécuter ce qu'on lui demande ? Ah, si c'était aussi simple que ça. Les écuries ont bien sûr mis leur stratégie en place pour que les pilotes soient dans les meilleures conditions possibles. Mais maintenant, c'est à eux d'entrer en piste et de faire ce qu'ils font le mieux. Et vous avez raison, Julien, c'est aux pilotes de faire ce qu'on leur demande. Et il ne s'agit pas seulement de suivre la stratégie de l'équipe. Ils doivent aussi faire face à tous les imprévus qui peuvent se présenter sur le circuit. Concentration et sang-froid sont toujours d'un grand secours. Et on entame la Q1 avec la pluie qui nous accompagne, mais toujours des pneus slick montés sur les monoplaces et un DRS disponible. On va voir ce que donne le comportement de la voiture pour l'instant. Alors, on a opté pour une course solide. Donc je n'ai absolument pas d'appui pour la ligne droite. J'ai une voiture full réglage sec. Donc là, je pense qu'en qualification, si on sort de la Q1, on aura déjà fait un grand pas en avant. Oui, elle n'est pas très stable cette voiture. Toujours le DRS, on en profite. La pluie devrait s'intensifier pour la Q2 et on devrait avoir une pluie forte en Q3. Verstappen qui fait le meilleur tour, jusque-là rien d'exceptionnel. Battu par Bottas, encore plus classique. Et on peut passer la courbe de Signes à fond.
c'est pas facile de garder la corde dans ces conditions. Par contre, ce qui peut être intéressant pour nous, ce serait de partir avec des pneus médiums et de finir avec des pneus soft pour aller chercher peut-être un meilleur tour. You're in the top 10 now. Keep it up. Et on est qualifié pour l'instant 6ème, mais on est derrière Robert Kubica. C'est pas de bon augure. Et même si ce n'est pas de bon augure, on a quand même Robert Kubica qui se qualifie 12ème de cette première séance grâce à la météo plutôt hasardeuse. Bon nombre de pilotes en médium et finalement, les pneus tendres auront suffi pour passer parmi les 15 premiers, juste devant Kimi Raikkonen. On perd les deux Racing Point dans cette première partie de la qualification. Et on est quasiment à l'arrêt complet hein, dans certains secteurs. La pluie qui est vraiment maintenant tellement intense que l'on doit chausser les intermédiaires. Et on attaque le chrono. On sait que dans ce genre de conditions, on peut essayer de tirer notre épingle du jeu, même si la voiture n'est absolument pas réglée. Pour ça, j'ai 5 d'ailerons à l'avant et à l'arrière. Je ne sais même pas comment je tiens et comment je freine dans certains virages. Je prends beaucoup de précautions, bien sûr. J'ai envie de retrouver la voiture avec le train arrière devant. Oh là 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 là, que ça glisse, que ça glisse. Oh, la grande ligne droite du Mistral pour l'instant. La vitesse est convaincante, on va essayer de freiner pour la chicane tout de même. Petit blocage de roue, mais on est pas mal, en vrai on est vraiment bien. Malgré le manque d'appui, Alexander Albon est le premier à signer un chrono dans cette séance en 1.47. Le Thaïlandais le plus rapide avec la Toro Rosso, il avait failli gagner Monaco. Hein. C'est incroyable. Charles Leclerc, c'est plus logique. Et Bottas maintenant. Oh, reviens. Pas aller hors circuit, mais on n'était pas loin. En rétrogradant, j'essaie de faire glisser l'arrière de la voiture, ça marche. Grosse glissade. Je sais pas où on va sortir de ce dernier droit. On réaccélère. Oh là 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 là, ouais, on est 3 secondes 3 derrière Bottas. C'est énormissime comme retard. Et malgré les 3 secondes 5 de retard, nous parvenons à nous mettre en Q3, ce qui n'est pas le cas de Romain Grosjean. Ça commence à être difficile comme comparaison avec le pilote français. Pour le reste, belle performance d'Alexander Albon qui termine 8ème. L'élimination de la Renault de Daniel Ricciardo alors que devant, les Mercedes continuent leur domination. Voyons ce que l'on peut tirer pour cette dernière lutte face au chrono pour cette séance qualificative. On entame notre tour avec l'objectif de faire mieux qu'une 10ème place. On va essayer tout de même. Cage de roue dans l'entrée des S. On a une piste un peu moins détrempée, mais une voiture qui a l'air de glisser un peu plus. De la ligne droite, je sens vraiment un gros manque de stabilité dans la voiture, c'est incroyable, vous le voyez de toute façon au volant, qui vibre beaucoup plus que tout à l'heure, et on ne bloque pas les roues, et ça c'est très très bien dans l'entrée de la chicane du Mistral, et de la ligne droite, du même nom, Lando Norris en pôle, incroyable, ce sont les premiers tours évidemment, mais c'est toujours assez surprenant. Charles Leclerc devant. Ah, pour avoir une pole française avec Pierre, ce serait bien. Puisque les Red Bull ont l'air d'être à leur affaire aujourd'hui, même si Mercedes reste la référence. Je suis en train littéralement de naviguer dans ce troisième partiel. Je suis nulle part au niveau du rythme. La
Là, j'ai vraiment fait un tour de parade. Je sais même pas si je vais faire mieux que la 10e place. On verra bien. Et c'est fini. Bonjour et bienvenue sur le circuit Paul Ricard pour le Grand Prix de France. Un événement historique qui remonte à 1906. Cette épreuve s'est déplacée plusieurs fois au fil des années, notamment à Dijon et à Magny-Cours qui nous ont offert de grands moments de sport. Avec un peu de chance, nous aurons droit cette fois encore à une course d'anthologie. Le circuit Paul Ricard compte 15 virages pour une longueur totale de 5,8 km. Les pilotes devront tendre leur trajectoire pour passer la célèbre courbe de Signes à fond absolu et enchaîner sur le double droit ultra rapide du Bosset. On peut s'attendre à des manœuvres de dépassement à la fin de la ligne droite de départ et dans la grosse zone de freinage de la chicane nord. Et voici Nicolas Martin qui nous rejoint pour faire le plein de sensations fortes. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Nicolas. D'après ce que vous avez pu observer, à quelles conditions de piste les pilotes doivent-ils s'attendre aujourd'hui ? La piste semble propre, mais c'est la température qui m'inquiète un peu. Il fait relativement froid ici et ça va être plus compliqué pour les équipes de maintenir les pneus dans leur plage d'utilisation. Les voitures qui demandent beaucoup à leurs pneus, qui transmettent beaucoup de puissance, ce seront les mieux loties. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Lewis Hamilton part en pole position, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Bottas, Gasly, Sébastien Vettel et Leclerc, Norris et une Haas, Butler et Alexander Albon, Grosjean, Ricciardo, Carlos Sainz et Raikkonen, Kubica, Weber, Sergio Perez et George Russell, Giovinazzi et Daniil Kvyat qui ferment la marche. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Was the pull away. You'll have a bit more grip than that on the start, but we need to warm the tires properly now. Make sure you get some heat into the brakes as well. Et vous l'avez vu, la voiture est chaussée de pneus médiums. On va tenter le même coup que l'on avait pu réussir à Bakou avec le meilleur tour en course que l'on va viser en toute fin d'épreuve. On a été aidé évidemment par les pneus intermédiaires, mais alors la situation est la suivante. Il y a des gros nuages ici. Sur le circuit Paul Ricard, il ne devrait pas pleuvoir, théoriquement. Mais si on la joue fine, on peut faire 9 tours avec ses pneus médium en pouvant attaquer. Ok, pour l'instant, pas de météo désastreuse. Donc on pourrait tenir le coup avec ses pneus médium un maximum de temps dans le peloton. Et une fois qu'on sera en fin de course, on rentre, on chausse les pneus soft et on essaie d'aller, en gardant évidemment de l'ERS et du carburant, eh bien taper, comme on dit, dans les pneus et... pourquoi pas essayer, je dis bien essayer d'aller signer le meilleur chrono. On aura une seule tentative, ce sera le tour qui suivra, le tour de sortie de la voie des stands au niveau de la grille de départ. On jette un coup d'œil quand même à ce qui s'est passé devant avec, il faut le dire, une bonne surprise de voir une Red Bull intercalée entre les Mercedes. Bonne performance également, bien aidé par la pluie, on l'entend, de Lando Norris qui partira juste devant nous. Il fait partie des voitures qui doivent impressionner et remonter au classement. On sait que McLaren a marqué ses premiers points lors du dernier Grand Prix disputé. Ici, c'est peut-être l'occasion pour, après le Canada, McLaren de confirmer sa bonne tenue. Quant à nous, eh bien, comme d'habitude, on va essayer de viser de gros points. On a une performance pour l'instant de deuxième position à Monaco qui est notre meilleur résultat. On ne fera pas de podium ici. On espère qu'il y aura, pourquoi pas, des safety cars pour remixer tout ça. Sachez que, évidemment, vous avez tous les liens avec les modes installés dans la description. Et j'ai également remis mon casque, puisque vous l'aviez peut-être vu dans la première séance d'essai libre. J'avais un casque 100% belge, puisque j'avais été faire un petit peu de multijoueur, notamment avec IRTV. Bref, on se retrouve sur la grille de départ avec la procédure du Grand Prix de France qui s'annonce particulièrement intéressant. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Alors qu'on a un petit peu patiné au moment de l'extinction des feux, on se jette dans les S de la verrie avec Lando Norris devant nous. Attention à Devon Butler qui n'est pas loin. Et là, Renault va prendre l'avantage. Il sort beaucoup mieux. Romain Grosjean derrière nous. Excellent envol de la part de la Renault du Britannique. Essayer de venir le titiller quand même. On
n'a pas la trajectoire. On va peut-être essayer de croiser dans l'entame de la grande ligne droite. On a l'aspiration sur Devon Butler. Des boîtes. Voilà, Renault qui a une bonne vitesse de pointe. Attention tout de même à l'intérieur. On va se retrouver à 3 de front avec la de Romain Grosjean. Oh là là, Romain qui avait une très très bonne sortie. On a Albon et Sainz qui sont derrière nous. On a fait un envol très moyen dans ce Grand Prix de France. On est 10e. Et attaque de Romain dans la courbe de Signe sur Devon Butler à l'intérieur. Le Français qui va passer peut-être pour l'obtention de la 8e position. Ouais, c'est fait pour Romain. Dans le rythme et on l'a payé très très cher. Il y a déjà un gros écart avec les voitures de tête. Allez, on conclut le premier tour de ce Grand Prix de France avec Lewis Hamilton en tête. Et devant Romain et Butler qui se battent. Continuez messieurs, ça nous permet de revenir. Grosse explication là entre le français et l'anglais. Ah, ils vont se toucher, ils se sont touchés d'ailleurs. On va avoir fait un demi-tour côte à côte, un peu comme nous avec Butler au Canada. Voilà. Oh, c'est ultra chaud là. On va avoir Butler à la chicane. Attention, Romain qui vient se mettre à 3 de front. Oh, oh Romain. Oh, décidément. Et c'est Sainz qui en profite. Pas fini avec Romain. Être devant pour la course aussi. Gros duel avec notre équipier. Chez Romain. DRS is now enabled. Available to use when you are within 1 second of the car ahead in the DRS zone. Oh la 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 la, Romain! Moi je sais que Gunther va pas être content. Hein. Et on a touché la voiture de Lucas Weber qui est arrivé là, sans rien demander. Contact avec la Racing Point, je crois qu'il a perdu beaucoup de temps Lucas Weber, il a peut-être même cassé son museau. Nous on souffre hein, avec les médiums. Pas facile pour l'instant face à Alexander Albon qui fait pour l'instant un très très beau Grand Prix. C'est vrai que Albon j'apprécie de plus en plus. Si là il faut aller le chercher. Oh là 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 là. Ça chauffe comme jaja. Non mais en même temps là Albon fait un boulot formidable avec la Toro Rosso. Oh
quoi ? Loin de faire la faute. Aux côtés d'Alexander Albon, on va assister à l'intérieur. On se touche avec le Thaïlandais. Encore une fois, on assiste à l'extérieur. Il va revenir au centre du virage. Non, passe Albon finalement. Dans les points, on est pour l'instant titulaire de la 11e position. Ça va au niveau des organes mécaniques, la voiture se comporte bien, les pneus également. Comme au Canada, on a une météo grise hein, qui laisse à penser qu'il va pleuvoir. Fuel target is plus one. Faster engine modes are available. Voilà. Retour dans les points avec ce dépassement à l'extérieur sur Romain dans la chicane du Nord. Bon, on va voir un petit peu. Notre ami Devon Butler est à portée de tir. On va consommer, on va brûler un peu de fuel. Hein. On est au tiers de l'épreuve pour l'instant. On va descendre à 1,10 de carburant. Et pour ça, eh bien, on va attaquer. On va laisser un peu le RS sur 3. Il faut être très vigilant parce que si on se retrouve avec un manque de RS après le stop, ça va être plutôt embêtant. Je rappelle qu'on est en médium hein, pour l'instant. On fait une course plutôt honorable. En tout cas, excellente explication avec Grosjean et Albon. Moi, je me suis éclaté dans ce gros combat. Romain is in the pits. Romain dans les stands. Allez, on descend à 1,10 de carburant. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. Allez, on reste à un tour de carburant pour l'instant. On va attendre la prochaine phase pour attaquer. Je trouve que Butler, avec des softs usés, n'est pas tant que ça à la fête. Ok, les boots aren't looking too warm at this point. We should have plenty of life left in them. Let's make sure we keep managing them properly. Ok, on dit qu'on peut encore aller taper dans les pneus et qu'on a de la marge. On est théoriquement en usure normale, capable de faire 9 tours avec ces gommes-là. Retour au stand de Butler, mais il nous laisse quand même le DRS en passant. Alors parmi ceux qui sont partis en médium, il y a donc Sainz et nous. Parce que désormais, et Albon. Et Alexander Albon, c'est vrai. Pour le reste, eh bien on est sur le deuxième relais. Donc c'est peut-être la période du Grand Prix où on va bénéficier de moins d'aspiration, de moins d'aide des autres voitures. Ça ne nous empêche pas de faire un bon premier partiel, 3 dixièmes de mieux. Je ne sais pas qui a le meilleur tour en course pour l'instant, je crois que c'est Bottas de mémoire. On est sur le RS, pour l'instant on n'en a pas besoin. On devrait vraiment avoir un ERS plein pour l'attaque du tour chronométré avec les pneus tendres.
la deuxième partielle. Par contre, là, on perd 5 dixièmes. Donc, on est 2 dixièmes moins vite. Il en vient de se faire redoubler par Hamilton. Il y a des médiums 9. On se réfère à notre plan de marche. On reste sur notre arrêt à la fin du 9e tour. On va en faire un supplémentaire. Le but de retarder cet arrêt a deux choses intéressantes. La première, c'est qu'il y a un risque de safety car. Donc on aura de la marge. Deuxième chose, eh bien, plus tard on monte les pneus, plus ils seront frais. Et donc plus de chances nous aurons de faire un meilleur tour. Et donc pour l'instant on a eu la réponse détenue par Hamilton, hein, on le voit. Hamilton qui est pour l'instant deuxième, puisqu'on a désormais, voilà, le retour au stand de la voiture de Carlos Sainz. Et une 33.5 pour Hamilton. Et on a laissé passer la deuxième Mercedes. Et quand on voit où est Vettel, on se dit vraiment la marge est importante. Qui sont à un niveau là absolument incommensurable par rapport au reste du peloton. Après, ils sont pas loin, hein, les Ferrari, mais quand même. Vettel qui va nous revenir dessus, est-ce qu'il va réussir à aller nous doubler? Alors pour l'instant on est en grosse économie de RS et de carburant. Il n'y a quasiment plus de RS pour ce tour. Essayer d'économiser un maximum. Et il est plus rapide, Charles Leclerc. Et Verstappen également. Abandon de Sergio Perez. They're retiring the car. Okay, some information on Perez. Alors là, s'il nous rentre à safety car en piste maintenant, je suis plus heureux des hommes. Le petit tête-à-queue était magnifique à l'entrée des stands, il n'était pas volontaire. Allez, c'est ici que tout va se jouer. Sortir au-delà de la 10e place. Ouais, malheureusement. Romain va nous passer sous le nez, je crois. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Alors qu'Albon est reparti en hard. Ah oui, d'accord. Bon, ben voilà. Switch to overtake and have a go. Moi qui fais le ménage. Ce serait vraiment bien que Gunther téléphone à Romain pour nous dire de dégager, s'il vous plaît. Gap to go. Ah! 3.7 seconds. Quel dommage. Gap to teammate behind is 2.1 seconds. Bon, on aura essayé. J'ai fait trop d'approximations dans mon tour pour que cela fonctionne. Bon, on est dixième, on a toujours un point de plus que Romain. Oh, s'il nous fout un safety car d'ici un tour, on ne pourra rien faire maintenant, c'est trop tard. Ah, j'ai attendu au maximum pour tenter ma chance. Je sais pas à combien je suis, une 34-3, je sais pas où est le meilleur tour d'Hamilton. Je crois qu'il est en une 33 aidé, donc il y a beaucoup trop de différence avec lui. Par contre, j'ai pas dit mon dernier mot.
low on energy. Reduce ERS deployment. Et on entame la dernière boucle de ce Grand Prix de France, la 13e. This is your final lap of the race. Allez, dernier tour de course. Je pense pas qu'on ira chercher Devon Butler à la régulière, mais bon, on aura un point. On l'avait dit, hein, on voulait. Oh là là. On l'avait dit, on voulait ce point. Faute là, mais la voiture glisse beaucoup, ça c'est étonnant. Ne sont pas en ultra surchauffe. Je vois pas pourquoi elle se met à glisser de la sorte maintenant. Okay, gap ahead is 3.2 seconds. Ouais, 20% d'usure de gomme, ça peut expliquer que quelques temps de glisse en fin de course, pourquoi pas. En tout cas, Romain n'est plus un problème dans notre rétroviseur, mais devant, Devon Butler est trop loin. On va pas aller rechercher le Britannique. Bon, on aura fait une course difficile, mais extrêmement disputée. Sans doute la plus belle bagarre depuis le début de la saison. Alerte carburant. Victoire d'Hamilton et meilleur tour de Bottas. J'ai même pas fait gaffe en combien était le tour de Bottas sur mes trajectoires. Mais bon, bah écoutez, Mercedes une fois de plus dominante. Est-ce que l'année prochaine on n'irait pas signer chez Mercedes? Pourquoi pas, hein, on sait que ça peut bouger rapidement avec les transferts. Et voilà, on va en rester là pour ce Grand Prix de France qui aura été très très sympa au niveau des bagarres, malheureusement au niveau du résultat un peu décevant. Sorry about that, I guess they can't all go to plan. Bring her in, we'll go over what happened in the debrief. Mercedes a remporté une très belle victoire aujourd'hui. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies, vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui, un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Et après ce beau podium, il est temps de débriefer avec tout simplement le classement de ce Grand Prix de France. Avec les deux Mercedes devant, le meilleur tour pour Bottas au passage, deux dixièmes séparés. Ces deux monoplaces, ensuite les deux Ferrari, les deux Red Bull, les deux McLaren au 7 et 8e rang. C'est une bonne prestation pour ces deux monoplaces. Quant à nous, eh bien, on obtient le point de la dixième place in extremis devant notre équipier Romain Grosjean, dont les choses ne risquent pas d'évoluer dans le bon sens pour la suite s'il continue à être décroché. Regardez, on est 8e, il est 13e, pas de changement au classement, 66 points d'avance pour les Lewis Hamilton. Bottas remonte devant Pierre Gasly pour 8 petits points. Au classement constructeur, peu de changements également. 49 points d'avance pour Mercedes face à Ferrari. McLaren remonte Toro Rosso et Alfa Romeo grâce aux points obtenus aujourd'hui. Et on espère que ça va continuer pour cette écurie qui pourrait même venir remonter Titi et Renault. On va conclure les images de ce Grand Prix de France avec l'arbre de recherche et de développement. Nous allons tout d'abord corriger la réduction du poids du fond plat qui n'avait pas été abouti lors du dernier Grand Prix. Et on aura donc trois nouvelles évolutions, vous le voyez, une aérodynamique, une du châssis et une du groupe moteur pour l'Autriche qui s'annonce un Grand Prix plutôt positif en termes de performance. On se rattrapera sans doute de cette épreuve française qui n'était pas au top pour nous, même si malgré tout on ramène un point. Voilà, merci d'avoir suivi ce Grand Prix de France. Rendez-vous à Spielberg. D'ici là, bon amusement en piste. Lâchez un petit pouce bleu. On se donne rendez-vous dans les commentaires pour débriefer tout ça ensemble. Vos avis, vos retours sont importants. Et d'ici là, bon amusement en piste. À la prochaine. Salut.